rendez-vous du grand maître. Bako yaka bako bina bako kolo banini. Voilà, fais-la, fais-la, fais-la. Voilà, fais-la, fais-la. Voilà, fais-la, fais-la, fais-la. Donc, je me défends comme je peux, mais à l'heure d'aujourd'hui, la plus grosse maladie que je puisse avoir, c'est de n'être plus rien dans mon pays. Et la vérité, c'est que je ne suis plus rien. Comment voulez-vous que, si je n'ai pas de paix à l'intérieur, je puisse avoir de paix à l'extérieur? Je n'ai plus le goût de rien du tout. Je ne sors pas. Je suis toujours enfermée. Je ne vais plus écouter de la musique. Je ne regarde plus la télé. Je n'écoute plus la radio. Je me suis fermée sur moi-même et je prie seulement le Seigneur pour que ma mère vive encore, pour qu'à 81 ans, elle puisse un jour voir que sa fille a été libérée de cette affaire. Ma plus grande... D'accord, pleure pas, maman. Ça va aller. Je veux que ma mère vive. Ça va aller. Pour voir la fin de cette histoire. Sinon, ça voudra dire que je suis maudite. Non, tu n'es pas maudite. Parce que j'étais la seule, sa seule source de joie. Et il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Après la mort de mon père, elle vit dans l'espoir de voir cette affaire finir. Ma mère est retournée en France pour se soigner parce qu'elle en avait marre de cette situation. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas me voir continuer comme ça et que c'était trop pénible pour elle. Et moi aussi, c'est pénible pour moi. Je crois en Dieu et je veux qu'il règle cette affaire en vitesse parce que ma mère, je ne sais pas si elle vivra aussi longtemps. Voilà, c'est tout. Ça va aller, maman. Je vous remercie, je remercie tout le monde et je regrette d'avoir fondu en larmes dans cette affaire. Ça va aller, ça va aller. Vous avez suivi donc l'émission, on est ici avec Nayan Kabel. On va tous prier pour que ça se passe bien. Qu'au moins jusqu'à la fin de cette année, vous puissiez voir au moins la lumière du jour au bout de ce tunnel que vous traversez depuis longtemps. Que la paix de Dieu soit avec vous, que vous puissiez retrouver la joie, qu'on puisse vous revoir en train de chanter encore, entendre cette belle voix qui a bercé notre enfance et qu'on veut encore y entendre, qu'on veut montrer aussi à nos enfants. On espère que Nayan Kabel vivra longtemps. On est content de voir les enfants de Nayan Kabel. On est tous derrière toi pour que, à travers toi, d'autres personnes voient le super-héros dans cette histoire. Donc, tant que tu as envie, tant que tu te bats, on est derrière toi. Ne tombe pas, ne plie pas genoux, parce que c'est nous tous qui allons plier genoux derrière toi. Amen. Yako, et vraiment que Dieu te bénisse. Amen. Merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis. On a encore Nayan Kabel. Et ne vous inquiétez pas, on va suivre cette histoire de très près à chaque fois qu'on viendra à Abidjan. Et on sera là, je vous le promets. On sera avec elle jusqu'à la fin de cette histoire. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Voilà,